Conférence de presse en deux temps cet après-midi au Tour FC. Premier acte, la résiliation du contrat de Jérémy Sopalski, contrat qui courait jusqu'en juin prochain. Depuis 2009, Jérémy a joué 45 matchs, a commencé ses saisons comme remplaçant pour finir titulaire, sauf la saison dernière. Comme l'ex-portier Tourangeau veut jouer et que l'année de contrat bloquait certains clubs désireux de l'engager, alors le TFC et Sopalski ont trouvé un terrain d'entente. Pour l'instant, il n'y a rien eu de signé, il y a juste eu des approches de club. Bien sûr que ma situation contractuelle posait problème. Le fait d'être encore sous contrat pendant un an, les clubs demandent des garanties, voir le joueur, lui parler, etc. Nous, on est en stage, on avait repris, il y a eu pas mal de choses qui m'empêchaient de bouger. Et voilà, donc c'était aussi un handicap pour pouvoir partir. Deuxième acte, une arrivée cette fois, celle de Christian Kouakou Yao, attaquant né à Abidjan il y a 21 ans. Depuis 3 ans, Kouakou jouait en Thaïlande où il a été meilleur buteur du championnat les deux dernières saisons. Le jeune attaquant ivoirien, quelque peu intimidé, a effectué son premier entraînement ce matin. J'ai mes qualités à moi, qui sont la vitesse, la lucidité devant les buts. Bon, je vais laisser les supporters et tout aussi décider demain. Christian Kouakou était aussi convoité en Suisse par le FC Thun et en Russie par le Rubin Kazan. Mais c'est Tours qu'il a choisi, pour le plaisir de Max Marty et Yvan Augustin. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de réussite ces derniers temps avec pas mal de joueurs. 6-7 ont rejoint la première division, 2 vont s'imposer dans des grands clubs européens, jouent en équipe de France. Donc c'est vrai qu'on a plus de crédibilité auprès des jeunes joueurs talentueux qui jouent dans différents pays. Quand on leur parle de Tours, on leur vend notre sujet, les agents font aussi leur travail. Aujourd'hui, c'est pas idiot pour un garçon qui a du talent entre 20 et 23 ans de venir faire une saison ou deux à Tours pour mesurer son niveau et mesurer sa marge de progression. L'attaquant ivoirien a signé un contrat de 3 ans plus 1 an avec le Tours Football Club, le temps de pouvoir s'épanouir en ciel et noir.